panique dans camp immigrant dans pays États-Unis. Il y a un gros courrier dans bon parler là. Côté que président élu Donald Trump a annoncé deux décisions li pral pran 20 janvier après investiture comme président qui très crucial dans masse déportation qui pral secouer États-Unis sous mandat 4 l'année li. Tom Hammond qui pral dans tête immigration que Trump prend pour mettre en application déportation, eh bien menacé arrêté représenter quelques états démocrates qui veulent camper en face projet Trump là. Donc dans Denver, il menacé poursuivre dans tribunal avec arrêté magistrat Denver. Donc il déjà annoncé dans qui state li pral commencer masse déportation yo. Mais dans toute mauvaise nouvelle yo, nous avons une bonne nouvelle. Immigration prend une décision qui pral soulager plusieurs immigrants qui s'allier, eh bien rete avec nous parce que nous quitter en dernier comme cerise sur gâteau. En aller avec une décision que Donald Trump pral prend. Une décision historique pour modifier 14e amendement. Donald Trump voulait éliminer droit pour tout monde qui fait dans pays États-Unis de parents sans papier. Ça veut dire ti moun sa yo pap ka automatiquement joine une citoyenneté américaine encore. Ça a créé yon gros insécurité dans mitan famille immigrant qui travaille di nan pays États-Unis. Ça veut dire un ti moun qui fait États-Unis ou fait de yon parent qui pa gen papier, ça veut dire que ti moun ou an le pap américain encore. Donc ça veut dire 14e amendement Donald Trump pral wè comment pour modifier ça. Donc deuxième bagaille que Donald Trump lui-même, deuxième décision que Donald Trump lui-même livre les prend, c'est que ICE pral gen tout pouvoir. Président Trump envle bay agent ICE yo toute autorité pour rentrer dans l'école, dans l'hôpital et dans l'église pour arrêter immigrants sans papier. Donc il pral modifier une loi qui était là depuis des années qui était empêché que agent immigration yo rentrer dans zone sensible ça yo. Donc l'école, l'hôpital, l'église que agent immigration pas ka rentrer en dans institution ça yo pour arrêter monde. Eh bien Donald Trump, deuxième décision c'est modifier loi ça pour que li bay agent haïtien tout pouvoir pour que Tom Hammond ça wè le bord de César là qui supporte stratégie ça donc qui va appliquer donc à toute décision que Donald Trump lui-même li prend zami famille à noue la caillou. Donc dans qui premier état opération pour le commencer Tom Hammond qui dans tête immigration et bien il annoncé que déportation massive là pour le commencer dans Chicago. Donc à Chicago gen environ 400 000 immigrants sans papier. L'autre état qui gen en pile immigrants sans papier gen là dans yo Californie. Il y a 2 millions et plus d'immigrants sans papier. Texas a 1,5 million d'immigrants sans papier. Florida a 775 000 immigrants sans papier, donc environ 800 000. New York 725 000, Arizona gen 275 000 immigrants sans papier. Donc pendant que nous avons parlé de Florida, donc il y a plusieurs haïtiens qui sont en prison que immigration a arrêté yo. Parmi moun sa yo, il y a plusieurs moun qui étaient rentré dans le programme Biden. Pendant que nous en prison, yo était arrivé parler avec Teriel Telus pour te faire passer un message qui a mis de l'eau dans le jeu que nous avons invité au tendé. Yes, parle avec qui ça passe, soit gagné, comment va yo? Bon, frère, c'est ça qui passe. C'est dans le moyen de Miami, là, actuellement, là. Mais nous tous, mes consulats, nous, avec qui je vais parler, là. Mes consulats, ils viennent, nous, là, nous, venons. Nous, c'est pas ce que ce magasin fait, nous, tout là, ils s'élèvent, nous, 30 haïtiens élevés actuellement, là, ils nous, monsieur. Un monsieur clair, qui crée cette consul général avec deux autres. Mais nous, il n'y a pas de même présenté de nous. Quand il y a, moi-même personnellement, je me pose une question, je dis comme ça, qui projet que vous avez pour nous? Est-ce que Haïti avec Venezuela, qui est sorti plus stable? Je dis Venezuela. Je me dis Haïti avec Cuba, qui est plus stable? Je dis Cuba. Je dis, nous comprenons des pays, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, je dis oui. Et Michel dit, nous connaissons, ici, pas pays, nous, c'est la caille, nous, ça, je dis, qui pourrait jeter pour nous, qui ça va faire? Je dis, nous voyons un avion avec 70 personnes, nous descendons par la pluie, nous, nous avons des gros frères par nous, qui ne sont même pas de ce avec nous, les nous, nous, les frères, Michel, Michel avait tiré nos problèmes là. Nous devons venir par quoi pour nous. C'est pas des misères nous va passer là, en bas à Ismaël. Il y a pour pas faire déportation illégale, pour que monsieur après nous voulons nous aller. Nous ne pouvons pas connaître qui va être. Pourtant, moi, je dis que nous avons dit que nous avons 29 ans. Je ne sais pas qui est formé à Haïti, je ne sais pas qui est mon Haïti, je ne sais pas qui est fait par parler, qui compte parler, qui s'en va faire pour moi. Quand il y a là, il dit que ça, il n'y a pas de faire dans ça. Quand il y a demandé pour le gouvernement haïtien, et ça a dit au moins avec le gouvernement américain. Parce que si Biden, administration,
crampé déportation et classifié Haïti comme un roi zone, comme un pays de guerre. Ils ont un CPS, un reporter de statut. Et puis, ils ont même administration à déporter le monde. Si ça, ça veut dire. Qui côté? Ils n'ont pas voulu aller dans le pays. Dans le Soudan, il y a même problème là où ils n'ont pas voulu. C'est cela ici. Les hommes nous demandent pour que les Haïtiens lever, cramper. Faire une manifestation, venez les chaînes de télévision, venez devant comme là, pour dire Haïs, dit Haïs, il va avoir un monde Haïti dans la situation Haïti là. C'est moi connais ou même ou bien un grand public à côté, ou qu'à faire droit passer pour nous, mais tout Haïti là. Mais jeudi à la mardi, neuf salles là, conseil Haïti dans le monde, et toi venez là, et pas venir éclairer. Pour le cas, dire que venez nous, au fier qu'on peut dire nous, au point mieux, moi connais dans la situation nous, nous venons d'aller, si nous dans la misère pour nous bagailler. Pendant ce temps, même conseil Haïti dans le monde, nous allons aller, nous bloquer le numéro pour nous. Et puis il y a Aïs, travail document pour tout le monde. L'autre jour, je vois un frère par nous, qui est le Wole Alexis. Monsieur Fetman Bahamas, il est venu ici débuter 3 ans, vu ça, depuis 89. Le premier monsieur, madame ou dame, qui n'a pas été là, c'est Jean-François, mais par contre, c'est celle. La ligne baronne est fait. Il bat à histoire de l'homme pour les laver, les laver, c'est beaucoup de sommes qu'il a dit. Un jour, en ville. Ah bon? Oui, moi, là, oui. Oui, non, c'est son diable, bon, ça dit, monsieur Fête Bahamas, c'est vieux déporté l'Haïti. Monsieur Fête Bahamas, il faut que je vive à Haïti pendant un jour, pourquoi je ne sais pas me connaître comme Haïti. Non, mais est-ce que, par exemple, là, où dit nous 30, est-ce que tout 30 mouns, ça, c'est mouns comme si qui étaient dans la prison pour une période de temps, qui gagne charge sous yo comme criminel, etc.? Non, vous pas que vous ne pas bien. Il y a un petit bâtiment qui est là, nous croyons qu'on connaît très bien tout. Monsieur son appel qui sorti à ici, venu dans le programme Biden. Monsieur, il est personnel. Ah bon? Il y a un personnel là, c'est n'importe où. Il y a un petit bâtiment qui sorti Christophe, on le rappelle encore, qui est Alan. Il est dans l'aéroport. Il y a plusieurs là pour nous, c'est dans le programme Biden, on a mis tout le monde là. On a gagné tout dans le téléphone. Mais c'est étonnant, dans le programme Biden, vous venez et vous prenez pour vous déporter. Mon frère, personne. Nous essayons de téléphoner pour ne pas là. Mais il y a un long depuis quelques jours, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en prison, donc ça te fait. Je ne sais pas si je suis en prison. Je voulais moi-même, le moins que je suis sous 3 mois, sous 4 mois, je ne sais pas si je suis en prison. Pas de problème du tout, donc si vous êtes capable. Ou même, c'est ça que fait mon affaire, ça se commence à faire ensemble avec nous. Bon, eh ben, mon cher, c'est bon, bien content d'apprendre ça parce que je ne sais pas moi-même et je pense que j'aime dire que je vais faire voir passer. Donc là, où dit que deux rappeurs haïtiens qui font entrer dans le programme Biden qui sont dans la même situation. Oui, il y a Alan T. avec personne. Ah bon? Personne. Dis-nous, vous connaissez les clés. Il dit que parler de nos choses, vous connaissez très bien. Il est possible. Moi, je n'ai même pas avec personne. Moi, je n'ai même pas de ce m'avait l'aimerie vie. Je n'ai même quitté mes pays. Sous quoi, moi, m'a brûlé. Oh, c'est payé ou payé là pour brûler son carte? Après, ça, je l'ai connu là. Moi, je voulais un request by ICE. Il a approuvé parce que je suis déjà brûlé USCIS pour deux séries de fois. Comment situation y est? Qui ça fait que vous mettez là, ou même par exemple? En 2000, nous avons fait un asile politique. Nous avons qualifié, nous avons habillé, nous avons recruté le BIA en 2002. 2004, BIA a décidé de dénier que cela, 14 septembre 2004. Je parle avec Pépé. C'est chaud. 2014. Et personne à quel de ma parole là avec Pépé. Il dit le mot. En 2014, il dit Naïli.
sur 24 ans, 17 en octobre, 17 à avril, la couche là, quand même, Mirama, a eu une problème quand même, sur 20 ans. Oh, concernant. Alors, qui non? C'est le moment de dire, nous, ils sont là, qui non? Hein? Non-stop. Monsieur Allé sur Abli, non-stop. Ouais. Alan, non-stop. Oh, bah, mais, so, capo, là, Liba, qui est sauté, là. Ou dit, ça a dit, vous sonnez qui n'a pas eu longtemps, ou pas commettre un crime? C'est pas du crime, c'est pas du crime. C'est pour question de statut. Bon, je vous qualifie pour TPS. Oui, mon frère TPS, ce bonhomme-là, qu'on est à la levée de main, fait 5 après, n'est pas eu ce de faire 5 après là pour moi, parce que je connais ce que je là, il y a pris les sous. Je veux dire, aller dans le pays, il va faire pour moi. Je dis, il va travailler pour USCIS. USCIS, là, pour les papiers, il va mettre là pour 3 papiers. Nous travaillons pour DHS, département of Homeland Security. Il va même avec USCIS, c'est différent et je ne sais que oui. Non, bah, elle a compliqué. Là, on bat pas si. C'est vraiment compliqué. Nous n'avons aucune voix. Lorsque je vous voyais, le mois juillet, le 25 juillet, je vois un petit haïtien qui sort du Chili, qui vient de ce qui est, qui vient tout bagaille. Je vois Michel aller, qui est dans la côte, qui est dans lundi, je vois Michel aller dans le jeudi, dans la côte. Je vois Michel aller illégalement. Et pas des mouns qui vont déporter là, illégalement. Nous n'avons pas de voix. Et puis, avocat, nous, on va que l'avocat qui a pris l'argent, qui a pris l'argent, surtout les avocats ici. Pour l'argent, nous, pourquoi vous ne pas jamais vivre, même victime de l'un. Wow, c'est étonnant, oui, mon cher. Vraiment désolé parce que je ne peux pas prendre appel là, mais je ne peux pas comprendre la situation comme ça. Moi, je pense que mon yo a déporté pour l'instant. Peut-être c'est mon qui peut-être fait des crimes, etc., qui implique dans ce mouvement de dossier. Qui est ça parmi nous? Qui est ça parmi nous? Non, mais quand pour là, mais quand expliquez-moi là, moi, il va expliquer sauter. Parce que si on a payé à depuis tant de dates, c'est statut qui est beaucoup fin, ok, alors qu'on applique pour toute documentation pour les jeunes. Et qu'on y a pour coucher la caille et puis Aïs vine pour la caille comme ça, Aïs vine, donc je pense que là, il va être qu'à sauter. Je pense que pour nous, moi-même personnellement là, actuellement là, en Berla, nous avons de 6 mounes, 6 nègres qui sont venus en Église. Depuis combien de jours là? Combien de jours dans le Chrome là? Là, 17 avril, 17 mois, ça a fait 8 mois là. Oh! Oui, à bataille pour avocat sur avocat. Compliqué, oui là. Et, mais l'autre bail encore, c'est qu'on parle de deux rappeurs haïtiens qui fait rentrer dans Biden. Qui ça a reproché dans le même? Qu'est-ce qui passe? Ok, personne, c'est une vidéo que l'été fait Haïti avec le grand rappeur haïtien. Mais vous connaissez les gars qui ont fait des vidéos, moi je suis à Haïti, je suis à Haïti, Benjamin Haïti, sur l'autre pays. Mais vous connaissez les gars qui ont gardé bien, ils ont gardé. Donc d'après monsieur Sao qui est en prison, donc il a dénoncé donc autorité haïtienne qui placé dans ambassade dans état Floride qui contribuait dans question de déportation hein. Et puis tout semblait monsieur yo pas aimer façon que moun sa yo même donc ab défendre compatriotes haïtiens yo. Donc c'est ça yo té relé Teriel pour faire message la passer. Donc on poursuivre dans question de déportation massive de Donald Trump là. Eh bien, nous gagnons discussion avec Eric Adams pour sécurité dans New York. Eric Adams, qui est magistrat dans New York, il était rencontré avec Tom Harmon, côté que Yote Chita. Rencontre ça, magistrat New York, là, pour adresser criminel sans papier dans la ville. Donc, objectif là, c'est assurer que la ville là était en sécurité. Donc, Adams lui-même est d'accord pour travailler pour ça, pour éliminer menaces sur la sécurité publique dans New York City. Donc, Adams, qui était fait un point de presse après rencontre li avec Tom Harmon, côté que yo di, yo tous les deux, mettez yo d'accord pour que yo prenne tout criminel qui fait plusieurs crimes à répétition, donc pour que yo prenne yo, partager et donner ça yo avec un agent immigration, avec ICE pour que yo déporte yo. Donc, li vle kembe état de New York safe, selon ça que Eric Adams lui-même déclaré zami famille nou yo. Pour moun qui a travaillé du, qui gagne un TPS ou bien qui gagne un dossier d'asile, donc moun sa yo pa gen ken problème. Y a toujours bénéficié tout bénéfice que état de New York mette pou yo. Par exemple, immigrant sa yo a toujours un bénéfice un food stamp, la joine assurance de santé, tout bénéfice que un immigrant ka joine. Et même tout gen des immigrants qui sans papier, donc si que ou pa commettre un crime, donc ou pa nan radar agent dans l'État de New York. Donc, premier monde que yo visé pour que yo mette sur radar là, c'est monde qui commet plusieurs crimes à répétition et surtout gros crimes, gros criminels qui sont en prison. Donc, moun sa yo y a déporté yo dans l'État de New York. Pas oublier que New York c'est un État sanctuary state ou bien un État asile.
Donc, il va partager données immigrants avec agents immigration fédérale. Mais, dans le cas ça, Adams, qui c'est magistrat New York, là, il dit que va répéter l'erreur qui a été faite dans le passé. Yo. Donc, il voulait qu'un État de New York safe, donc il a déporté tout criminel. Yo. Nous allons aller avec menace sous Denver. Eh bien, il y a un représentant dans Denver contre déportation, Trump-là, il a accusé Trump de violation du droit monde, administration a menacé avec procès contre autorité locale qui bloquait opération ICO. Donc, ça, c'est dans Denver, amis familles. Donc, bonne nouvelle que nous gagnons pour vous, parce que nous disons que nous gagnons bonne nouvelle pour vous. USCIS annoncé une extension pour cadre de travail. Dans ça, qui était 180 jours, il passait à 540 jours. Pour moun, par exemple, qui gagne cadre de travail sous asile, ou bien sous TPS, ou bien sous résidence temporaire. Donc, il va soulager nous en pile pour nous pas perdre travail. Nous. Donc, annonce ça a fait 10 décembre 2024, là, côté que DHS Gov, il dit que ça va concerner tout 4 travail qui en bas asile. C'est 8, 4 travail en bas TPS, à 12, ou bien c'est 19. À 4 travail en bas ajustement statut, c'est 9 catégories 4 travail ça yo. Donc yo gain prolongé automatiquement pour quitter une période de 180 jours, yo augmenté kounia à 540 jours. Donc ça veut dire clairement si 4 travail ou expiré ou fait demande pour renouveler que poko joine 4 travail là, donc automatiquement que 4 travail ou li expiré mais ou gon extension de 540 jours. Donc qui égal à 18 mois. Zami famé nou yo. Donc ça veut dire que entreprise yo pa bal bon problème encore parce que automatiquement que 4 travail ou fini, entreprise la brele ou pour dire ah mon cher 4 travail ou fini dégagé ou pour que ou ajuste ça. Donc nous connaît que immigration donc pral gen en pile problème là sous Donald Trump. Eh bien, administration Biden là avant que l'aller. Donc les ba nou un petit soulagement. Donc moun ki gen 4 travail soit asile ou bien sous TPS ou bien ki gen et sous résidence temporaire donc moun sa yo yo tout gen une extension de 18 mois donc en sous 4 travail donc ça son bonne nouvelle zami famille à Noël la caillou yon époque division au soir transformation décision sa yo divisé opinion yo donc pendant quelques moun wè yo comme nécessaire pour sécurité l'autre moun considéré comme yon menace contre valeur fondamentale pays États-Unis tant que politique immigration donc li rentré nan yon nouveau époque quelques conseils ou même qui immigrant qui États-Unis donc qui sous TPS ou bien qui sous processus d'asile. Un premier conseil que nous rabao, l'ou a conduit surtout, nous doit conseiller pour pas bouler lumière rouge. L'ou est pas non stop yo, essayer camper. Donc camper n'a pas un stop là, pas bouler yo et puis pas conduire sans licence. Donc surtout ou même qui dans état Floride, par exemple, état Floride sont état qui toujours partagé donc un statut en immigrant avec agent fédéral immigration yo. Donc il pas même gens avec un état sanctuary state ou bien état asile yo. Ça veut dire que automatiquement qui arrêté yo, policier ka regarder pour voir qui statut que ou gagne en tant que immigrant. Donc policier ka sou mauvais joli et puis ou al passer parmi la foule. Donc deuxièmement, nous ka conseiller yo puis go marcher sans papier ou bien sans ID ou sans pièce qui identifie sans pièce que yo ba ou qui ka identifie ou dans state côté que ou vivre là qui gagne statut immigrant ou soli. Par exemple, si que ou gagne I-94 ou pour qu'on gagne yon ID ou ka marcher avec I-94 lan sou, donc ou pa jam konnen. Et puis deuxièmement, troisièmement, donc a kenbe numéro alien number là, c'est-à-dire numéro que yo ba ou qui identifie ou là, donc kenbe lan tête tout. Donc pa jam fè erreur ça pour pa konn numéro alien number. Donc l'autre conseil que nous ta ba ou même ka conduit pa bri alcool. Donc ou ka tombe en bas on dit ouais donc yo ka tout révoquer licence ou ka prendre prison si ou nan état Floride comme exemple par exemple ou bien dans l'autre état yo qui pas sanctuary state pou ka partager donc statut immigrant ak agent immigration et puis auto poto aller et puis deuxièmement ou même qui soit asile donc l'autre conseil ou même qui soit asile donc pas oublier toujours checker donc dossier là qui nan main juge là pour garder est-ce que juge là lui-même pas prendre décision sur lui donc si que ou te rendez-vous par exemple en 2026 voyez font garder pour voir si que juge là pas avancer li pour pi devant ou bien pas reculer li donc pas connait que ou pour aller dans immigration en 2026 que ou pas jamais garder dossier ça donc faut garder pour voir parce que juge yo des fois yo konn l'étendre moun yo avant ou bien yo recule les dates là. Ou bien, l'autre précaution qui vous prend, ou bientôt, peut-être si malchance pour que l'immigration, peut-être ou d'un monde qui sans papier, qui statue bagaille, ou d'un canet banque, ou d'un petit monde dans le pays. Donc, pensez avec qui monde
que si immigration ta arrêté ou que ou pral quitter ti moun sa ou bientôt yon moun que ou gen ou fait confiance qui ka gen droit de signature sou carnet que ou gen la banque la pou pa perdre l'argent sa yo. Donc pensez avec conseil sa yo, nous pensez que yo ka aider nous. Donc t'a rejoindre dans une prochaine vidéo et c'est pourquoi abonner avec channel ça, nous inviter ou faire ça, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour ka venir faire partie de anoué la caille. Nous salut tous amis nous yo, qui peut partout dans monde qui apprécie avec une affaire qui ta moi même, ou rejoindre dans prochaine vidéo qui va être sur écran que moi inviter ou cliquer connia.